Comme tant d'autres femmes rurales maliennes, Madame Diaoulé Diarra est maraîchère depuis plusieurs années. Une activité génératrice de revenus pour elle et ses milieux de femmes qui leur permet de soutenir quelques charges familiales. Bien avant que je ne me marie, j'ai travaillé dans les maraîchages depuis mes 15 ans. Je cultive la pomme de terre, l'oignon, les aubergines et bien d'autres choses. Il me fait aujourd'hui 40 ans que je suis dans les maraîchages. Consciente du rôle clé de la femme dans la société, Diaoulé invite les femmes à travailler plus pour bien de raisons. Travailler beaucoup pour aider les hommes, contribuer au développement des enfants, tout en leur éduquant les valeurs du travail. Selon notre Amazon de la Terre, la femme joue un rôle prépondérant dans l'épanouissement du foyer. Au-delà des festivités, nous devons travailler pour notre épanouissement. Aidons nos maris, faire avancer la communauté et le Mali. Alors que le Malien s'apprête à célébrer la Journée internationale des droits des femmes, Diaoulé Diarra retourne à ses cultures, la terre sous ses mains rigoureuses, rappelant les défis qu'elle et tant d'autres femmes affrontent chaque jour. Sans fanfare ni grand discours, elle poursuit sa lutte pour l'égalité, car dans chaque sillon de terre laboureux se cache un acte de résistance. En ce 8 mars, souvenons-nous que derrière chaque récolte se cachent des histoires de persévérance et de force, portées par des femmes comme Diaoulé Diarra qui nourrissent bien plus que des corps. Elles nourrissent l'espoir d'un avenir où l'égalité sera enfin cultivée.